Salutations tout le monde, ici Mr. Daddy Prone. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Dead Island Riptide. Ça va être une vidéo de gameplay, tout simplement. Rien d'exceptionnel. On va faire une petite partie. Tranquillement. On va tuer quelques zombies. On va commencer par lui. Casse. Oula, commence bien. Tu couches, oui. On lui pique un peu de thunes. Alors, on doit faire quoi? Un petit tour dans les quêtes. Alors, allo Villa Darlay. Écoute, c'est où? Et bon, on va se prendre la voiture. Hi, t'es con toi? Range ton couteau! Salope! J'entends encore du bruit. T'es pas mort toi? Hop, dans le cul. Et on prend la voiture et on va dans le fameux village. Il est con lui, il m'a fait peur. Attention! Ah ouais, tu vas faire un combat, un duel. Ouf. Oups, pardon. Alors par contre, je sais pas du tout me repérer à chaque fois, donc je vais souvent regarder la carte. Oh, voilà, c'est pas très dur. Tout droit. Et allez, c'est parti. Ouh. Oh là, une grande gueule dans le coin. Désolé. Attention à vous. Pas que je vous ai prévenu, hein. Bon, normalement, ça doit être par là. On va prendre ma petite hache. On fouille un peu. Et on y va. Ça fait mal, hein. Dégage. Alors, on va passer par là. Oh, je suis en train de manger. Bah, faut pas vous déranger, les gars. Ah, dégage. Merde. Non, pas le couteau. Oh, merde. Ma hache. Tronçonneuse. T'es mort? T'es mort. Voilà. Et oh. Salut les gars. Encore vivant, non? Voilà. Non mais. Merde. Ah, mon petit crâne barbelé. Oula. Salut. I need a different way into Henderson, mate, because there is nothing left of that road. You give me an assist now, and hopefully I can return the favor down the line. There's one brother who might be able to help you, but he's been gone for ages. We don't even know if he's still alive. Shame too, because he meant a lot to the people.
saved a lot of souls. He's a missionary named Marcus Miller. He's not local, but he knows the island like the back of his hand. Anyway, when we ran out of food, he went to fetch some from a store not far from him. That whole area was overrun early on, though. So like I said, he could be dead. Bah dis-moi aussi, je vais y aller. Ok. Go look for Marcus. He's the only one who knows another way to Henderson. Eh ben il est où Marcus? Ok. On va aller voir ça de plus près. Oh, c'est qui? Il est où? Oh, le gros boudin. Ah, je l'aime pas. Dégage! Ah, garde ton vomi, toi. Ah, putain, je l'aime pas. Tu veux te goûter de mes griffes, gros porc? Garde ton vomi. J'aime vraiment quoi. T'es pas mort toi? Arrête de me vomir dessus, c'est dégueulasse. Putain. Oh. Peut-être me sauver un peu. Et bah c'est pas grave, on va recommencer, on a perdu un peu de thunes, c'est tout. Putain, alors toi gros lard, tu vas goûter de ma tronçonneuse. Salut gras double. Crevé putain de gros porc. C'est dégueulasse. Colard de merde. Allez, on continue. Comme je vous l'ai dit, je les aime vraiment pas cela. Dégage toi. Qui dégage? Tu pensais? Je vais t'aider. Allez, lève-toi. Allez. Bon, Marcus, t'es où? Là-dedans? Marcus? Marteau à clou. Un petit peu de place dans mon inventaire parce que j'ai plein de merde au niveau des armes. On va aller voir ça tout de suite. Pour ça par exemple on s'en branle. Pistolet de détresse, pff, on fout aussi. Ça on vire, le gourdin on vire. Niveau on va peut-être le garder ça. Le cas. Bon, il y avait quoi là-dedans? Marteau à clou, tout sympa. Un gourdin précaire. Ouais, on verra plus tard. Ça, je prends. On va déjà tout réparer. On peut faire quoi? Mode éclair, c'est sympa ça. On peut le faire avec le marteau à clou de les récupérer, bah, c'est impeccable. Hop là, on va même l'améliorer. Il est où? Ah, voilà, apparemment. Ok.
Il est où? Il est là. Clac. 2, allez hop, 3, on est des fous. Ah, brilliant. Yeah. Simply brilliant. C'est bon, mes petits lapins. Ouh, d'accord. Wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. C'est le moment d'utiliser le marteau. Yast. Oh, putain, esquive. Bien joué, cool. Esquive-moi ça, tiens. C'est quoi ça? Oh, oh, oh. J'ai sauté directement. Ah, effectivement. J'ai peut-être fait un peu le foufou. Là. Ah, ouais, mais c'est quoi le mec là-haut? Et on recommence, hein. C'est quoi ça? Tu me lâches. On va remonter. Et on reste en bas, les gars. C'est lui qui me fait peur. La tête de vainqueur en plus. Comment je vais faire? Comme ça? Ouais. Allez. Tu veux que le gagner avec moi? Eh bah viens! Oh, c'est une connerie. Putain. Bon, au moins j'en ai eu la moitié. Oh, mais il en reste pas mal quand même. Alors, dit à 10. Wow, 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 wow. Merci. Tu peux me rendre encore, s'il te plaît? Putain. Oh, ça fait bon. Oh, oh, oh. Il y en a encore? Viens voir, papa. T'as mal, hein? Right. Les voitures cool, niveau supérieur. Donne-le-moi le chemin. What did they beat you? Weren't you afraid? No, I'm immune to the virus that caused all of this. Remarkable. Remarkable. Mais non, il y en a d'autres. Four more like me. They set up a base of operations. Paradise. Yes, I know what that is. You are truly from the ghosts. Tu m'emmerdes. My flock will survive this. Mais why? Oui, avant et tout, t'es plus un affaire. Tu m'emmerdes, hein, sérieux. Je fouille avant. Hein.
Oui, mais attends. Pas trop vous, t'inquiète. Oh, mais t'es pas emmerdant, toi. Sérieux. Tu me fais chier, Marcus, hein. Hop, on va augmenter les niveaux. On peut voir l'arbre des compétences. Allez hop, c'est alors sympa. On se casse, perd pas de temps. Oui, j'ai vu ton pote, mais il s'est foutu de ma gueule, hein. Dans mes griffes, hein. Te renferme, hein. C'est pas trop bien. Oh putain. Aïe. Pas de bras. Pas de chocolat. Quoi ce bruit? Quel peu peur ce con. T'as pas l'air con. Il est où? Complètement malade. Je suis mal là. Tu coupes pied, on sait jamais. Putain. Oh non, un gros. Wow. T'es tendu. Attention. Aïe. Oh. Et ben voilà, encore une fois, c'est mort. Donc voilà, c'était une petite vidéo de gameplay de Dead Island Riptide. En espérant que ça vous ait plu.
Si vous en voulez d'autres, faut pas hésiter à le demander, pour en faire autant que vous voulez. C'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement, j'ai fini le premier en peu de temps, j'ai adoré. Donc celui-là, c'est sans problème. Et un gros. Ravale ta merde. Enfin bref, là c'est un petit peu dans la merde. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, vous pouvez vous abonner à la chaîne que vous voulez, je vais faire plein d'autres vidéos après. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Et à très vite. À plus tout le monde.